pour nous déplacer sur l'objectif 2. L'objectif 2, c'est quoi? C'est l'aéroport, la case, la comment on appelle ça, la base militaire de l'aéroport, partie militaire de l'aéroport, pour essayer de prendre possession des lieux et neutraliser un max d'ennemis à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Non. Ok, donc il faudra faire attention. Martin Fobb, c'est une phobe, donc il risque d'y avoir pas mal de monde. On aura Puesto Vulcan qui sera de la même manière, et on aura Nefer dans le coin aussi. D'accord? Donc quand il faudra passer par là, ça risque d'être un peu chaud. Et sur le passage pour l'aéroport, on aura Kandar. Ça roule. Mike November, c'est qui ça? Non, c'est juste parce qu'à tous les coups on va se taper du monde là-dessus donc. C'est de Non, l'autre on s'en tape côté. ou pas? Non, mais. Enfin, Non, moi non, je suis non, parti non. pour voter, avoir des Ouais, points ouais. pour que tout le monde s'en. On peut appeler ça. Ouais, on peut. Bah là, Mike November. Pourquoi Mike et Novembre? Du coup. Nord. Et Mike? Je sais pas. Ok. Bah, Parce que ça du sonne bien. coup, on va appeler celui-là Mike. No Nut November. Sierra. Mike Sierra. Pour que justement, bah, en fait, si jamais on a besoin, quand on sera au niveau de la route, on puisse se réfugier sur cette position-là. Je pense, il est possible qu'on ait besoin de se déplacer un petit peu plus vers Nefer à Pat pour récupérer des véhicules civils. Si vraiment on trouve pas de véhicules civils, on nous demandera un parachutage. Ça roule? Ouais, voilà. Ouais. Pas de questions? Quand on sera parachuté et qu'on aura fait la rejointe, il faudra faire attention à Stonehenge qui sera dans notre dos, dans notre nord-ouest. Donc, le temps, comme je vous ai dit, le temps qu'on temporise un petit peu, le temps que l'IA se mette en place, etc., ça pourrait arriver. En fait, toute cette zone-là, c'est une zone de plusieurs kilomètres sur lequel il pourrait y avoir plusieurs unités d'infanterie. Normalement, pas de véhicules dans les montagnes. Pas de questions, messieurs? Non. Vous avez les JVN, les balises hier, vous avez pensé à bouffer maintenant? Bouffer, boire. D'ailleurs, moi j'en ai plus là. Je fais combien? Je fais 33 kilos, c'est correct. J'ai de la grenade, infrarouge aussi pour éclairer infrarouge, ça pourra peut-être nous aider. On aura un support aérien, c'est le drone, que je ferai décoller tout à l'heure quand on se sera parachuté. Et règle d'engagement, vous vous en doutez, on engage au début que sur riposte ou tir coordonné avec Damien Scott et le LMG. Si tu veux changer ta lunette, tu la changes, Viona. Hein. J'ai vu que tu avais. Non, pour l'instant, je garde celle-là, tu vois, elle permet de viser plus, enfin, de régler plus précisément. Les autres, je peux pas régler, ça reste à 100 mètres. Ok, ça marche parfait, pas de problème. Mais c'est toi qui sais. Non, pour moi, c'est bon. Juste dommage, j'ai pas pu trouver des traçantes. Pendant la mission, si jamais on est repéré et que ça commence à cogner, je vous demanderai peut-être d'enlever les silencieux histoire que ça puisse cogner correctement. Alors, environnement. Time. Je vais mettre genre 2 heures du mat, c'est bien. Comme ça, on aura peut-être un petit peu de journée aussi. Allez. Allez. Babou, je voulais un peu de pluie, on va mettre un peu de pluie. Oh, quelle belle journée, zéro Ah souci. non, pas ma maman. Ah, pardon. Allez, on est prêt à se parachuter, messieurs? Yes. Ouais, se parachuter, oui. Parachuter, Arrête de te pouf! plaindre. Parachuter en mode pouf! Coucou. Allez, on essaie de la faire sérieuse quand même. Yes. Allez, c'est parti. Pas parler fort. Pour l'instant, on est plutôt tranquille. C'est quand on sera dans les bâtiments que. T'es en communication continue. Ah bon? Ah oui, effectivement. Je suis désolé. Tu vois rien? Moi, j'en profitais pour Tu vous. Ah bon? Moi, je vois Non, clair si, c'est bon. comme. Ah non, mais attends, il y a un grain pas possible. Ouais, Alors, ça attends, pas attends, possible. je vais régler ça. Je vais régler ça. Le temps que ça s'initialise, patati patata. J'avoue Ok, que. faites-moi un périmètre de sécurité. Il faut que je me connecte en admin. Quand tu les actives, ça va bien, mais par contre, ouais, Ouais. battre 5 secondes, c'est injouable.
Mettez vos balises aussi. On met tous la balise? Bah je sais pas. C'est une durée dans le temps, non? Je crois, ouais. Non, non, les balises hier, non. Ah ouais? Je sais pas où je suis. Ça va, bouche? Ouais, ça va et toi? Ça va. Ah, ça va. Les ennemis, on est où là? J'ai pris un putain de jumelles qui font pas vision nocturne. C'est malin ça. On te l'a dit. Je crois que je vais les jeter par terre parce que ça me sert à rien. Faire gagner du poids. Ah ouais, grave, de fou. Ouah, c'est abusé, mais. Ah ouais. C'est trop bien, ouais. Ah, comme ça? Oh, c'est parfait. Oh putain! J'avais pas vu, j'avais enlevé. Ouais, on va mettre que les squad leaders en balise, ça marche. Hop. Mais moi j'ai même pas besoin de JVN, les gars, moi je vois tout clair. Hein. Ouais, on les voit très bien. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas de. Tout clair, moi je vois noir là. Mon laser. Ok, mettez-vous sur les toits, les gars. J'ai squad, vous vérifiez l'ouest. Mais j'ai pas de laser non plus. Babouche et Chari, vous montez en haut de la colline au 102, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Attends, on va quand même demander. Par contre, là, ouais, je t'écoute. T'as moyen de faire pop une arsenal ou pas là? On va faire. Non, on n'a pas de laser avec Venom, ça marche pas. T'as pas de laser hier? Je crois que j'en ai pas tout court en fait. Ah non, moi j'en ai, je suis censé en avoir un. Attends, contrôle C. Ah non, non, j'en ai pas. Mais j'en ai pas tout court moi. Alors attends. Ah bah ouais, t'es pas. Ouais, t'es pas possible. Éco-véhicule. Ah mais je sais pourquoi. Attends, bouge pas, Venom, s'il te plaît. Voilà, là normalement t'en as un. John, il y a un feu de camp de notre côté et quelques positions, on dirait qu'il y a du contact. Un feu de camp? Ouais, 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 viens sur notre colline. J'arrive. J'ai mis le gros, il fonctionne parfaitement, c'est un truc de malade. Oh, il y a des civils qui courent. Déjà? Médic, tu me colles au cul? Je suis déjà avec Cariache. Feu de camp, mais ça veut dire quoi ça, feu de camp? Bah, je sais pas, y'a un feu de camp. Tu vois mon laser? Non, mais me dis pas que c'est une hideout ça. Tu vois mon laser ou pas? J'ai eu la même réaction que toi. Et y'a du civil sur zone. Ouais, c'est une hideout. Civil sur zone aussi. Ouais, y'a beaucoup de monde, y'a une unité fixe. Coupe ton laser, coupe ton laser. Puis les lasers, allez. C'est des lasers hier. Oui. Ok. Oui, mais c'est plus discret quand même. C'est bien une hideout, putain, je m'attendais pas à ça, les gars. On est parti. Allez, on est parti. Ouais, mais on a pas de charge explosive. Si, on a ton mot, mec. Alors, attendez, ah. On se replie, les gars, pour pas se faire se faire repérer. Faut que je fasse décoller le drone. Après, avec un peu de chance, il y en a dans les caisses qui sont à côté. Hein. Peut-être. Je parle tout bas, c'est trop bien. C'est l'immersion. C'est trop kiffé. Mon périmètre de sécurité. Périmètre de sécurité. Reçu. Ça a beaucoup trop tôt de gueule. Tu dois pas être à côté de John. Pourquoi moi? Je sais pas, vas-y, me colle au cul. Bah ben bon. Civil qui s'approche en 130.
la médic. Ouais. Il est parti où, Scott? Scott, il s'en roule. Non? Non, bah, Bouch et Carriage, ils sont. Et Scott, il est en haut là, au niveau des du bâtiment. Je peux pas te pointer du doigt. J'ai l'habitude. Scott, tu sais gérer le drone ou pas? Je savais initialement, ouais, pourquoi? T'as envie de le faire ou ça t'emmerde? Non, je peux le faire si tu veux. Ok, je viens de donner le truc. Parce que moi, faire le lead et gérer ça, ça va pas être possible. Toc, c'est quoi, c'est ça? Donc là, je l'ai fait décoller et il a un cycle, tu verras, de mission qui sont organisés à 2000 pieds. Il est en hold fire, et enfin 2000 mètres, pardon. Il est en hold fire et il cycle, il va faire que des ronds autour de cette zone-là. Je sais pas si tu le vois là. Ok. Du coup, alors attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en vol déjà là? Alors moi, faut juste que je me remette en GPS. Ok, hop. Allez. Scott, est-ce que tu veux te déplacer à un endroit ou pas en particulier? Non, le problème, c'est qu'après, nous, on pourra pas venir t'aider pour le médical, quoi. Mais on est trop séparés. Non, enfin, je crois que qu'est-ce qu'il faut... Bah, limite, en fait, tu pourras te mettre là-bas avec Jeunin. Là où il y a Babouche et Carrie, ouais. Et comme ça on va intervenir et vous serez là pour le support, ça te va ça? Ouais, aussi. Ok, allez on bouge. Tu passes sur ta fréquence Scott? Scott, tu passes sur ta fréquence 313, 312. Ok monsieur. On va intégrer le... On va faire la ride out hein, du coup. Le problème c'est qu'on va avoir Mickey's Fob aussi en même temps. Alors ça va être compliqué. Arrête de chuchoter. Non. Mais... On est Nicky. On va se déplacer sur Mike Whiskey. Scotty, on va se déplacer, je pense, sur Mike Whiskey. On va te dire si t'auras un bon visuel de là. Et limite, tu pourras nous appuyer de là. Allez, on va passer, on va y aller. Du coup, Babouche, Carrie. Ouais. Et Pito et moi. Allez, c'est parti. Pour Mike Whiskey. Ouais, Mike Whiskey. Ouais. Il y a un civil sur Mike Whiskey qu'on a repéré tout à l'heure. Il faut faire attention que ce soit pas un civil bomber. On lève les armes, les gars. Appuie sur C, Pito. Scott, est-ce que tu arriverais à faire un compte des unités sur la hideout? Ok, vous prenez la gauche du camp, les gars, on prend la droite. Qu'on voit pas grand chose. Je te suis.
décline de notre côté. Pareil. Bon, il y a vraiment du monde. Ok, attention, on est là. Bon. Glouglou. Ouais. Découpez les lasers quand vous les regardez, les gars. Ok, Scott, vous serez pas mal, à mon avis, sur la position de Mike Whiskey. Si vous voulez vous avancer. Faut repérer les postes fixes. J'en vois deux déjà. C'est marqué sur carte. Ouais, j'en vois deux. Ouais, c'est la douche qui a la priorité. L'autre, c'est un truc. Qui... Ouais, c'est quoi ça? C'est moi, c'est ma voix. Il y a un véhicule au fond, un véhicule douche-car. Ah oui, ouais. 576 mètres. Ah non, c'est un SPG-9, je crois. Ouais, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a deux SPG-9. Il y a SPG-9 et douche-car. Et la voiture. Ouais, mais le véhicule, c'est quoi? SPG-9. Ah, okay. Tu le vois où? Je le vois pas trop d'ici. Tu le vois où, le véhicule? Dans l'alignement de la du drapeau de l'hideout, du poil, derrière les rochers. Ah ouais, ah oui, SPG. Ouais. Scott, le drone est sur place ou pas? Ah bah, il est là. Le drone est sur place ou pas? En tout cas, je le vois, le drone. Je sais pas si avec 6 chargeurs j'aurais assez. Oh oui. À ma position là sur le toit, en vrai elle est pas mal. Babouche, tu m'avais dit que t'avais quelqu'un d'autre avait un désignateur laser ou pas? Ouais, moi. Carré. Oh oui. Ah bah là c'est presque juicif en fait là. Bah avec l'arme on peut normalement. C'est tout pour toi en. Ouais. Tu peux désigner normalement avec l'IR de l'arme. Non, ça marche pas ça. Ah ouais? Parce que t'as pas de code laser sur ton arme. Ah oui, d'accord. Oui. On fait marrer tous les civils qui courent dans le. Ah grave. On va tuer des civils. Et alors? Ok. Ouais. On détruit la hideout, t'inquiète, la réputation elle va. Scott, tu me fais signe quand t'es prêt à frapper avec le drone. Je pense qu'on va peut-être engager avec ça au début. De toute façon, on est sous une opération confidentielle. Quoi qu'il se passe, n'est pas répertorié. De l'infanterie. 9. On va faire de la désignation laser pour la GB. 11. Tu veux que je désigne quoi? Bah, pas sur la hideout, parce que ça, on va pas le faire comme ça, mais sur les unités d'infanterie, ouais. Parce que ça va nous aider, parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, tu me dis ce que tu veux. Ouais, Carrie, pour l'instant. Alors, désigne pas pour l'instant. Ouais. Mais t'as le groupe de Pax qui est le plus proche de nous, sous les arbres. Wow, mais encore actuellement. Ah ouais, je vois ça. En 0,63. Ouais, je. Vas-y, Mutlos, à 10,080, j'ai encore un groupe qui est rouge. Ouais, ouais, c'est une hideout. Hein. Donc j'en ai 15 plus le nouveau groupe, donc au moins une vingtaine. Alors attends. Scott. Scott, toi t'es à même de désigner et de frapper avec le drone ou pas? Ok, ça marche. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, une fois que tu seras prêt avec le drone, nous on va commencer à avancer et qu'on soit suffisamment proche du combat pour pouvoir commencer à traiter quand les bombes explosent. Allez, on se prépare les gars. Juste me donner une distance. Ouais. Bon, là on est loin. Là on est à 560 mètres, attends, je vais te dire. Lequel, les premiers bâtiments sont à ouais, okay, je vois 377 mètres. Les premiers bâtiments sont à 400 mètres. Восток. Je n'espère pas. On va reprendre la même colonne que tout à l'heure, les gars. On va avancer dans le creux de la colline jusqu'au. Vous voyez, il y a des murets en bas. Là. Ah non, ouais, okay. On avance à couvert. Allez, on fait mouvement, Scott. Si jamais on se fait engager, tu engages. Un peu plus à gauche. Ouais, je sais, mais
Non mais c'est bien comme ça et on reste couvert des arbres, c'est pas mal. Engagement prématuré, on riposte et on essaie d'aller se foutre quand même en bas près des murets parce que c'est le seul endroit où on aura du couvert. J'ai fait un serpent devant moi. Ça fait des virages comme ça avec toi. Attention à droite. Ouais, affirme. Oui. Ok, les unités que je te cible au laser. On va prendre cher là. Tu vois mon laser ou pas? Bah ouais, ouais, visiblement tu les vois. Ok, là tu traites dès que possible. Ah oui, GBU. Il faut que tu penses à un truc, c'est que t'as 2 GBU, donc il faudra que tu fasses 2 groupes de packs. Ensuite nous on commence à traiter, vous envoyez le feu dès que possible. Il est où le drone là? Pas de soucis, nous on a le temps, on est à couvert. Tu le vois le drone là? Ouais, ouais, il est là-bas. Où? Il est genre là-bas. Ouais, on le voit. Je le vois pas. Là-bas. Si tu préfères qu'on fasse une désignation, on peut aussi. Hein. Donc je le vois pas. Attends, limite, ce serait plus clair que tu donnes ton désignateur à Vionnant. Que lui fasse la désignation, comme ça vous travaillez ensemble. On va crever. Pour toi, Carriage, c'est juste qu'on est un peu trop proche et. J'ai envie que tu te fasses blaster la gueule. Et surtout, messieurs, quand on aura. Quand les GBE auront tapé, on va se déplacer en 0-16 au niveau des rochers. On va essayer de prendre tout de suite de la hauteur sur l'ennemi. Ça marche? Ouais. Faites pas les héros, je vous rappelle qu'on a pas beaucoup de médical. On peut s'en faire parachuter, mais on en a pas beaucoup. Et on n'a qu'un médic, accessoirement. Négatif, j'ai plus visuel de celui-là. Les gars, civils qui courent en 0-2 ouais. En plein nord. Ok, on a deux contacts en 0,85 le long des maisons. Il y a une IED là-bas. Il y a pas d'IED, les IED fonctionnent pas. Ah bon, il y a civil là-bas du coup qui court vers nous. Par contre, les suicides bombeurs ça fonctionne. Plein nord là, il y a. Ouais, ouais, je veux voir. Vous gardez un œil dessus, les gars. Oui, je sais, pour l'instant on pointe rien. Coupez les lasers, les gars. C'est du civil, mais il va peut-être falloir s'exciter. Si jamais c'est un suicide bomber, on va engager, nous. Et derrière le mur. Viens vers nous, on se décale des murets. Scott, t'as visuel sur les unités que t'as étudiées ou pas? Reçu, tu nous donnes des infos quand ça tombe. Oui, il s'éloigne. Ouais.
quoi? Code laser, c'est contrôle page up, page down, c'est pas ça? Les gars? C'est pas contrôle A plutôt? Je sais pas. Ah oui, c'est contrôle A, je crois. A ou E, un truc comme ça. Contrôle A et E. Il me fait peur l'autre. Putain de civil. Mais de toute façon t'as pas besoin, normalement c'est réglé sur 4-1 de base. Oui, s'il s'auto-désigne, enfin... Si tu désignes, normalement t'auras pas de problème. Ça devrait passer là. Que tu trouves quoi? Alors, il faut que tu appuies sur... tu veux prendre le contrôle du drone, c'est ça? Mets-le en fire at will. Sur un des points, tu le mets en fire at will et normalement, il va... Enfin, quoi que, pas sûr. Si tu prends le contrôle, tu te mets en vue pilote. Tu fais un tour. Et quand tu vas te mettre face avec le radar activé, quand tu vas te mettre face à nous, enfin à la désignation, tu vas avoir un ping en appuyant sur R. Et ça marche comme en avion ou pour verrouiller une arme de manière générale. Pourquoi c'est quoi ça? C'est le drone. Il vient de passer juste au-dessus de nous là. Par contre le drone il est vraiment bas là hein, Scott. Sinon si tu n'y arrives pas c'est pas grave, on intervient et on fait ça hein. Dernier passage et si jamais il n'y arrive pas on fera ça. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une hideout ici. J'ai une chance qu'il n'y ait pas de merde. Ouais, mais on tatoue donc c'est bon. Allez, il faut que ça tombe la GBU là. Civil sud-est qui passe proche. Il remonte vers le sud là. Il passe derrière nous. Une fois qu'on aura commencé les engagements, Scott, votre priorité ce sera les postes fixes et les véhicules. La bouche, si jamais je tombe, tu passes sur, sur 31 avec, avec les copains là-haut. Ça faisait longtemps que t'avais pas vu Pépito. Ouais. Bah, pas trop le temps non plus d'être sur l'ordi. C'est quoi maintenant? Je suis en formation là. Formation de quoi? Je suis en train de passer mon permis poids lourd. D'accord. Voilà. C'est un titre professionnel pour du transport de marchandises. Ok, d'accord.
Et après, je sais pas, qu'est-ce que je ferais hein, ça me... J'aimerais travailler dans le levage, tu sais, tout ce qui est grue, etc. Mais... On va voir. Ça va pas marcher. Ah ouais. Merci de prévenir. Il y avait un civil, gros, il a vu la foudre, je l'ai vu. Prévois quand même. Bon, ok, allez, on intervient, les gars, c'est parti. C'est parti. Allez, plein nord, 013 là. On va aller chercher le haut des rochers. On passe à gauche des murs, à gauche des murs. Il y a un civil qui a ramassé dans la gueule. Ah oui. Ah, il a fait la bise. Putain. Je le regardais, le pauvre, il s'est fait couper. N'hésite pas à balancer une deuxième GPU, mais comme dit. Vas-y, hop, je termine la marche. Carré repasse devant le médic, s'il te plaît. Ouais, passe devant, s'il te plaît. Là, vous confirmez combien de neutralisés ? Si, une devant. C'est couché. Ok, reçu 8 avec un civil. Mais c'était, ça faisait partie du jeu. Vas-y, recolle. Attention les gars, IED sur la droite. Y'a pas d'IED ou... Y'a pas d'IED, les IED, on s'en bat les couilles. Ok, par... ouais. La bouche part à droite là maintenant. Non. La bouche part à droite. Ça s'excite ou pas dans le camp, Scott? Ok, ça s'excite pas trop apparemment. On se met en ligne de feu, les gars. On se prépare. Ok, vas-y, tu neutralises le poste fixe. Civil qui nous court dessus en bas. Ah oui. Ouais mais attends, ils vont le voir ça, je leur signalerai après. John de Viona, il y a Damien qui s'est pris une rafale. Oh putain, on traite les postes fixes ou pas? Ok, reçu. Affirme, tu peux traiter les postes fixes. Je leur mets dans la gueule, ce serait mieux. Je tire à la grenade. Les deux postes fixes traités. Allez, on engage les gars. On va se voler sur les bâtiments à gauche. Damien, il dit comment? Attention, dans le bâtiment, il y a quelqu'un. Il dit comment, Scott, là? Il a pas de pouce, je l'ai refermé, je fais un CB. Scott de retour. Je repasse 72 degrés là. Y'a du monde dans le bâtiment, faites attention. Tu l'as soigné? Ouais, ouais, parce que là sinon c'est merdier, mec. Ouais. Plus dès l'engagement. SPG9 qui nous regarde en pick-up en 194. Ok, tu peux neutraliser ou pas? C'est un peu loin. Je te rapproche. Non, non, mais attendez, on va taper au mode. C'est bon. Y'a bon tireur. Ouais, okay, y a plus de tireur. Ok, y'a plus de tireur, c'est gagné. Ok, on continue alors. On va rentrer dans le bâtiment, les gars. Y'a du vent quand même. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est reçu, n'hésite pas à utiliser la GBU. Hein. Vas-y, pèse devant moi. Ah, ouais. Ah putain. Là. Un enfer. Allez, activez vos lasers, les gars. Ouah, civil sur nous. Oh putain, je l'ai même pas vu. Ah bah là, on était tous morts, les gars, je suis désolé.
Ouais. Allez, on avance, on avance. Allez, on accélère. On se met sur la, sur les, au niveau des cailloux là. On essaie d'avoir un visuel sur ce qui se passe en dessous. Ouais, allez-y, Carriage, Pépite, Carriage et Babou, je vous vide le groupement de bâtiment. Vas-y, nous, on va canarder un peu. Ils se font gager d'où? Ça vient d'où? Nos alliés vont prendre à partie par le bas là où on était tout à l'heure. La bouche qui arrive, bâtiment 133 en dessous de nous. Ah oui? Tu veux conclure? Ouais, affirme, vous y allez. John à terre. Bah vous, je reviens, reviens sur le rocher. On attend que John soit stable. Il en a pris une tête. La malédiction du... du SL. Est-ce qu'il est un peu... Il est un pou, ça va aller. Il a un peu mal au crâne, quoi. Ok. Tu veux de la morphine? Je peux bouger. Non, ça va aller, t'inquiète. Merci. Ah bouge, on peut y aller. Faut y aller les gars. Oh mais c'est un mec ça. Oh. La Xbox des rochers est vraiment claquos. La Xbox. La Xbox. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Vas-y, carré, on va clear. Putain, j'ai pris ou quoi? Ah, j'ai pris une. Dans le gilet. On a un pick-up tactical en plein milieu là où il y a le drapeau. Scott, on a un pick-up tactical en plein milieu là où il y a le drapeau. Faudrait que tu puisses faire quelque chose, s'il te plaît. Ah, tu m'as pas. Tu m'as pas merde, suturé Ah non. Bâtiment clair. T'as besoin? Je sais pas, j'ai pas de visuel. Ouais, parce que je me réouvre. Attends, y'avait une douche qui... Wesh. J'ai plus l'habitude de suturer comme ça. Ouais, t'inquiète. Elle s'use à l'utilisation. Ouais, je sais. Ouais, t'inquiète là, du matériel médical, s'il y a besoin, y'en aura. On va pas s'embêter. On fait au mieux, mais. Ça donne quoi pour vous, les gars? Clair. Le mec était remonté sur la douche-ca du pick-up là-bas. Ouais, je l'ai vu. J'ai la out-out en vue. Ok, suivez les traceurs. C'est un chargeur. T'as vu là-bas en bas ou pas? Non. Ouais, c'est une douche car encore. Oh, en cul, en cul. Tu te laisses ta mère. Il est mort, il est mort. Ouais. Ouais, mec. Elle répond. C'est quoi? Elle répond vite. Ok, on les rejoint. Ouais. Messieurs, vous pouvez descendre, on va intégrer les bâtiments.
Tu me charges. On peut vous aider ou pas? Roger. Fait d'erreur. Faites du tir dessus presque pour les bloquer vite fait là-bas les gars. C'était un civil ça non? Ouais on est juste, on essaie juste de les bloquer deux minutes pour que vous puissiez bouger. Ouais, stop, cessez le feu. Allez, on intègre les bâtiments les gars. On descend en 151, même colonne, même ordre de colonne, on avance tout doucement. Allez c'est parti. Pépito, recolle-toi avec. Ah non c'est pas Pépito, ça c'est Carré ça. Ah non c'est Babouche. Citrep, j'ai pas aimé l'exploit. Ok reçu. J'avoue moi non plus. Ok Pépito, on va voir derrière le mur. Vous passez à droite les gars. Sécurisez la droite. Reçu. Mais c'était une calibre 50 ça. Ouais. C'est une 12 trousse. Ouais, ouais c'est une corde. C'est une 14-5. Ouais, c'est une NSV ou NSK là, je sais plus. Une corde. Ah ouais. D'accord. La corde. Rien. On neutralise tous les bâtiments les gars. J'entends véhicule. Ouais, pareil. On affiche, je le vois. Loin, à 300 mètres. 300 mètres au sud-est. Ok, je suis là, attention. Je t'avais perdu. Il y a un civil là-dedans. Ouais, t'inquiète, non, j'étais juste là à côté. Il y a nos alliés là-bas, on va faire ce bâtiment-là. Ils l'ont peut-être déjà fait d'ailleurs. Ouais, ça a déjà été, je pense que ça a déjà été clean. Parce que ça se passe comment pour moi? Ouais, reçu, on va l'intercepter. Babouche, prépare ton AT. On va essayer d'aller chercher le. Babouche, prépare l'AT, repliez-vous sur moi. Babou, je prépare la T, là y'a le pick-up qui est pas loin. Il va en 120, 130. Plus les gars, faut qu'on cesse la progression. Oh, ok, on va se mettre sur le bâtiment à plusieurs étages là. Vous avez vu qu'il y a un civil derrière nous? Figé, ouais. C'est bon. Allez, bâtiment à plusieurs étages, on monte. Il y a un civil à l'intérieur, attends, soyez averti. Bah alors? Ça s'ouvre pas. Ah, t'as pas les clés, bah, faut passer par le. T'as pas les clés. T'as pas les clés.
FBI. Pardon. Open the door. Il est parti où le suivi? Ah mais c'est celui qui était là en fait. Ouais. On peut pas monter là? Non. C'est par non ouvrir. On peut pas passer là, c'est pas ouvert. Là. Pardon. Ça veut dire en fait on peut pas grimper. Ça soit trop rapide. Lui. Le pick-up là il fait peur. Escouade sur mon laser. On clean ou? Attends, je m'ai mis une petite morphine. Ouais. Putain de bruit. Ouais, je. Oh. La gauche. Ok, allez, on continue, messieurs. On s'est fait tirer dessus, mais on s'est pas vu. Ouais, non. Non, mais ça, c'était un civil, hein. Non, il nous a tiré dessus. Non, okay. C'était pas un civil, ça. Roger. Ils désengagent les silencieux de leur côté. Nous, on continue avec les silencieux. Dans le bâtiment, là où il y avait l'ennemi, là, on y va. C'est parti. Enfin, il enlève les silencieux. Oui, ils ont enlevé, ils ont retiré les silencieux. Oui, non, c'est le son. Sympa. Scott, dès que tu peux, tu nous utilises le drone pour nous récupérer des visuels sur la zone. Ok, c'est bon. Attention. Ah non, on s'en sort bien en vrai. C'est fou. Mais là tu vas jink là. Mmh. C'est vrai que j'ai connu des scénarios pires. Hein. C'est bon. T'es ? Ouais, c'est bon. Tout va bien. Oh la torche. Ouais, je préfère les torches aux... aux IVN. J'arrive pas à les faire fonctionner sur les fusils. Tu sais, quand j'ai un ensemble, c'est compliqué. Tactical qui revient. Ouais. Ok, Babouche. Babouche là, parfait. Je te donne une. Vas-y, mets-toi prêt. Attention au backblast, les gars, il en fait beaucoup. Il est où? Je vois pas. Tout Babouche. Ok, Babouche, 300-400 mètres pile. Tout Babouche. Quand tu veux, dépêche-toi 400 mètres. T'es où Babouche? Il est devant nous, il est devant nous. Ok. Oh. Adieu. Ok, faut engager. Ah bah. Descendu. Ok, nickel. Encore un boule de la voiture. Je suis là. Ouf. Ouais, ça monte. Oui. Blessé là. Il te reste quoi comme mine? Moi non. 2 HE, 1 HAT. Ok. Engage 2 HE pour ouf, oui, ouais. T'es blessé toi. Tu dis rien toi, mon petit cochon. Il était loin le drone. Bah, parce que je suis stable. Ouais, mais sauf que tu t'ouvres à chaque fois. Oh, ça va. Je te mets du sang quand même, parce que sinon. Et le véhicule retourné, on l'enclut pas? Ouais, il est retourné, on s'en fout, on va pas claquer des munitions. T'as pas trop mal, ça va? Non, ça va. Bon, vas-y. Je t'ai pas suturé. Ah, je sens que tu vas te blesser encore plus après. Ok, on a Ural qui arrive, Ural civil là. Ouais, y'a personne dedans. Je mange ma meilleure banane, est-ce les gars. En fonction de comment la zone est nettoyée, il va falloir qu'on fasse mouvement vers Mythix Fob. Oh, y'a des packs sur Mythix, je vois. Donc il faudra que tu trouves une position pour pouvoir nous appuyer. Nous, on va arriver du bas de la colline. J'ai pas l'impression que ceux sont... ils sont un peu alertés, mais ouais, pour l'instant ils ripostent pas. Ils arrivent un peu vers eux. Il y en a genre ici, là, je sais pas si vous voyez mon laser. Mais...
Ouais, je le vois ton laser. Non, c'était le mien, je crois. Mais ça a pas l'air de bouger. Non, non, je suis pas en JVM, donc je vois. Je vois le laser de carré. Le point rouge. Ah. Oh là là, si tu tires un obus là-bas. Là, tu peux faire du monde. Hein. Derrière. Ah, wow. Non, pas derrière, c'est devant. Et puis toi à terre. Alors, bon, t'as dû prendre une petite tête, oui, bah t'as pris une petite tête. Un petit bandage. C'est pas visuel, un peu. On veut. Mais pour moi, ça venait. T'as un rythme cardiaque, donc tout va bien. Et tu saignes pas. Tension basse. Normal, on va attendre un petit peu, tu devrais peut-être te réveiller. Ouais, tout va bien, tout va bien. Il va peut-être se réveiller, sinon faudra lui mettre une un truc qui booste là, je sais pas quoi là. Mais j'ai l'impression qu'il en a pas, donc on voit pas. Il va peut-être se réveiller, faut attendre un peu. Ah Dieu, si j'en ai, mais... Dieu est avec nous. Allez. Ah non, moi j'ai rien fait, moi. T'as rien fait? Non, ah, je croyais que, hein, que c'était toi. Pas ah, du tout, non. Ah, j'ai... bon, bah c'est... Ok. J'étais en train de réapprovisionner le drone. Ok. Bon, du coup, on a eu un contact semi-arrière, là, je sais pas trop où, mais... Et il est pas mort? Non. Moi, je l'ai pas trouvé, environ 322, moi, selon moi, mais... Moi, je l'ai vu par là, là. Je l'ai vu par là-bas, ouais, 327. J'avais pas les JVN en plus, alors j'ai juste vu l'éclair. The flash. I am really fast. Ah, non. Quoi? Hein? Derrière la spawn. Attaque le feu, attaque le feu, arrière. Ah. Je lui dis qu'il faut que tu nous fasses reculer, John. Recule, recule. John à terre. Soldat, 200 mètres, prova. On recule. Non. Non, carrière chatter, carrière chatter. Derrière toi, tu dois le prendre. Ouais. Ok. De retour. Je peux pas le bouger, faut que tu viennes tout de suite. Ouais, j'écoute. Ouais, on a pris un suicide bomber. On a un homme otage. Je sais pas. Il est comment? Ouais, il est trop mal. Ok, faut qu'on le recule, faut qu'on le recule. La bouche, il riposte. Chargeur. Je mets les garros, je suis obligé. C'est quoi qui nous monte dessus là? L'ural, t'inquiète. On voit pas d'où ça vient. Razer. Ouais, mais il est mort, allez. Ouais. Bah, et mec, là je me fais tirer dessus, j'ai plus de sang. Alors, soit c'est moi, soit celui, je sais pas. À l'intérieur, ma bouche. On arrivera pas à le soigner. Mais il faut le mettre à l'intérieur, quoi. Mais bon, le temps de tout faire. Là, oui. C'était impossible à faire tout seul, ça. Même si j'avais pu le garrotter et tout. Bah, il a pris une IED, quoi. Ouais, tous les mondes touchés. Non, Delta, Charlie, Delta. Moi je vais avoir besoin de médical du coup, enfin ouais. De suture si tu peux. Évidemment, le menu H il fonctionne pas, ça merde la pute. Scott, ça donne quoi pour le drone? Ça va toi, babouche? Ok, essaie de d'avoir des visuels sur le nord de Mickey's Fob là, entre Mickey's Fob et nous en fait. Parce qu'on se fait engager sec là-bas. La bouche. La bouche.
Ah putain, faut aller chercher. Dis-moi. Vas-y. Ah bah bouge, t'es où là? Attends, j'ai pas tout ça faire. C'est bon, j'arrive. Okay. Vas-y, va t'occuper de lui, je cours. Tu faisais l'amour avec le sol? Ouais, non mais j'avais vu un beau gros patater et j'étais trop gourmand. Putain, c'est casse-couille sur le menu H. Dernier chargeur, faut que j'économise. Ah oui? Ouais. Prends-en un à moi. Je sais pas si je peux. Je sais pas si ça marche. Ils sont juste à côté de moi. Ouais, c'est bon, on a... Tu peux mettre des chargeurs comme ça? Non, ça coupe pas compatible. Attends, je te le reprends là. Il est où? User left your channel. Ah, il accroche. Mets-toi sur 31. Ouais, je suis déjà prêt. Oh. Wesh, recule. Non, je prends. Non, je. Oh. Mais non! Babouche, non! Pas babouche! Non, attends, jetez! Non! Ma bouche. Ok. T'as un pouce, c'est bon. Ah, je vais me pisser dessus. Oh la tête. Je sais ce que je t'ai mis. Oh, je le voyais, du coup, je me suis dit, allez, je fais un petit drop. Pas que tu le voyais, alors je me suis dit, toi, t'es le médic, tu vas rester derrière. Alors attention, hein. C'est bon, vas-y, passe. Oh putain. Eu ou pas, du coup? Non, il était derrière la palissade, il est allé à droite. Des souvenirs. On va aller chercher parce que c'est trop loin. Il nous entend là, je pense. User joined your channel. Ouais, on t'entend déjà. Oh, il est plus là. Vas-y, on retourne là-bas. Carrière chez où là? Carrière, ouais, c'est vrai ça. Il est mort, mais. Il est plus là. On va pas lancer, on s'est mis. Tiens, des objets à pierre. Oh putain! Ah. Pauvre Pépito. Allez, viens avec moi. Je l'ai eu. Il est au tard? Ouais. Ok, je me remets sur fréquence avec Scott. Scott, tu me reçois? Désolé, j'ai crash du coup. Oh, t'as pris une tête. Il a pris une tête, ça va. Bandage. Je check le pouls. Ah, peu RCPisé. Attends, non, on a du contact close. Ah, ok, vas-y, je m'en charge. Stab, bras. Ah, bras en sang. Ouais, re. Ouais. Je me suis fait parachuter, les gars. J'ai pas accès à tes jambes, donc force à toi. Il est dans le coma? Ouais, tu peux l'aider, carré ou pas? Ouais. Scott, t'arrives à avoir visuel sur notre baraque, c'est ça? Ça tourne autour de nous là. Sa jambe gauche, c'est bon. Et c'est à droite, c'est bon. Ok. Je fais RCP. Ouais, vu que tu fais du RCP, mais il a un truc faible. Parce que je fais du RCP qu'il y a un truc faible. Ouais, je sais.
C'est bon, il est normal. Il est normal, c'est bon. Voilà, il est normal. Ça donne quoi au niveau du drone pour le nord de Mikitrub? Aïe aïe aïe. Ah, il a été neutralisé, je crois, il a été neutralisé tout à l'heure. Il a perdu beaucoup de sang. Ouais. Ouais, je vais essayer de me déplacer, ouais. Je peux pas lui mettre du sang. Carré, tu peux venir avec moi ou pas? Il est ouais, occupé. Je peux. Babouche, tu vas gérer Pépito? Ouais, je vais faire comme je peux. Vas-y, il veut carré avec moi. Ouais, je peux pas te mettre de sang, c'est chiant. Tu as besoin de sang. Bah, je vais essayer de te... ta tension, ça dit quoi? Basse. Pas d'épinéphriné non plus. À moins que tu te réveilles tout seul, John, sinon. John, si d'ici 30 secondes, 40 secondes il s'est parlé, je vais avoir besoin d'une intervention divine. Ouais, bon, je pense que ça doit être. Bonjour. Bah c'est Dieu qui m'a... Ah oui, c'est Dieu qui t'a... Qui m'a sucé. Babouche, vous nous rejoignez sur les rochers? Ouais, sur les rochers à côté. Ouais, ok, c'est bon. C'est où? Ah oui, ce fils de pute. Il m'encule ma mère à chaque fois. Il est pas mort. Et pour la hideout, on fait quoi? On fait après? On la laisse. On va pas la péter. Allez, on reprend la colonne, les gars, économise les munes, on a pas grand chose. Bah, moi c'est mon dernier. C'est ton dernier? Ouais. Meurs. De toi? Oui, je suis. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre dans l'inventaire? Ça alors. Allez, c'est parti les gars. Même colonne que tout à l'heure. Ouais. Attends, deux secondes de bouche que l'on rattrape. N'hésite pas à remettre la balise. Ah oui, elle est enlevée? Ouais. C'est bon. Je viens de remettre la balisière, Squat. Si jamais tu la vois plus, t'hésites pas à me le dire.
Scott, un ETA avant votre position. Reçu. Ouais, nous c'est à peu près la même chose. Y'a un mec là. Pardon, est-ce que... Y'a du contact ? Attention, il peut y avoir... Ah oui, y'a un mec, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que... Attends, patiente. Ouais, y'a un mec, un autre encore, y'en a deux. Y'a une unité là qui est juste à côté. Y'a deux packs là sur mon laser. Ok, on neutralise. Ouais, on a neutralisé de notre côté. Allez, c'est parti, on reprend, bien joué. Pardon ? Attends, y'a le pick-up. Civil. Si, 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 on est en silencieux. Allez, on se grouille, les gars, on se grouille, on monte, on monte. Oula, mais il y a du monde aussi. Ouais, ouais, il y a beaucoup de monde, ouais. Scott, tactical. Tu restes en hauteur, nous on va descendre, on va intégrer par l'est. Allez, tu longes les murets. Fais ce que tu peux et fais la couverture que tu peux. Ok, tu continues à l'extérieur des murs et tu rentres tout au bout, Babouche, tout en bas là-bas. Bien. Un petit peu de mal avec tes touches, non? Bah, je voyais qu'il marchait, du coup je voulais me mettre en marchant. Mais... Sauf que quand j'ai voulu me mettre en marcher sur le côté, c'est resté en contrôle. On peut pas tirer sur les lumières là? Enlève tes JVN au pire. Ouais, mais bon, c'est. Ça enlève notre avantage. C'est pas sûr que ça marche de toute façon. Je sais pas. Si on tire sur les lumières et que nous on a des JVN et pas eux. Quand c'est du contact, je suis pas sûr que ça marche. Claire. Attention, je vais ouvrir la porte. Ouais. Prêt ? Claire ici, je monte. Claire. Sur toi. Contact ! Un chargeur. Oh. Ok, recule Pépito, recule pour mettre en après. Ouais, c'est bon, ah pardon. Là. Oh. Oh putain, Pépito, t'as. J'ai besoin de vous aller au-dessus là. Je bombarde. Il a pris une balle dans la tête. Comme d'hab. De toute façon, il fait que ça donc. J'ai Jonathan aussi. Babouche. Oh, vous foutez de ma gueule. Oh, vous foutez de ma gueule. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Il est où Jean? Il a pas de. Il est en arrêt respiratoire. Pépito, je fais un CPR. Vas-y, John. Ouais, occupe-toi de ça. Oh, il va me la mettre. Bon, t'as juste pris une tête. Ah, comme d'hab. John de Viona sur 311 pour contact. Ouais, je t'écoute. John est en train. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré Scott. Tout va bien. Ah bon, bah moi j'ai plus personne. T'es tout seul? Ils sont tous les trois par terre. Bonjour. Ah coucou. Allez médic. Boulot. Putain.
vais essayer de mettre ta position sur la carte. Cercle rouge. Johnny, comment là? On arrive. Pas de poudre, John. C'est toi le laser qui vise le ciel? Ouais, c'est nous. Ok. Carriage, pas de poux. Je peux pas RCPE les deux quoi. Je sais que j'ai d'énormes boules mais. T'es sur qui là? RCP John toi. J'ai mis une épi déjà. Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais. Avec la JVN, je vois que dalle. Il a un rythme. Il a un bandage. Je l'ai mis une 500. Ah. Ah, il y a quelqu'un à terre. Carry toujours RCP. Vas-y, John, il a un pouls, il est stable. Ouais. Ça derrière. Ouais, je viens de prendre un. Allez, allez, allez. John, t'es là. C'est qui me tire dessus là? Un mec dans le camp, mais je le trouve pas. Vous êtes là, Scott? Bah oui, parce que du coup, ton pote est tout seul. Carriache. Et on a un mec à terre, Medic en bas. Ouais, mais en haut aussi. Attends, on va s'en occuper, il est stable il, ou pas? Il a pas de pouf. Vas-y, vas-y, on RCP là. Ouais, je vais RCP. Il faut s'occuper du mec en bas. Il a pris quoi, Scott, le gars? Non. Il a pris quoi, Scott, Jeannin? Bah j'ai l'impression qu'il a rien pris là. Bizarre. Ah si, il est jaune. Ah, le soleil se lève, c'est bon ça. Je suis pas si sûr que toi. Vas-y, Pépito, tu peux descendre. RCP le, ouais. Vas-y, Pépito, passe. Je vois pas où il est. Okay. Dans la salle en dessous. Ok, patient stable avec un pouls. Aucune hémorragie. Il va se réveiller là. Tu veux mettre du sang? Oui. Enfin, il va pas se réveiller de suite quoi. Y'a toujours pas de tout, Bagou? Non, toujours pas. On a une colonne de packs qui arrive. Vas-y, genre, j'arrive. Genre une vraie colonne. Prépare la grenade, 100 mètres. Et j'engage. Ah bah non, j'engage pas parce que je recharge. Et j'engage. Continue RCP. Attends, je vais RCP, vas-y toi, fight. Ok, ils sont sur moi là. Ouais, Vienna, sur moi là.
Oh là là. Je suis tout mis, hein. Mais... Bah, John au tapis. Ouais, une fenêtre en plus, Vionin. Ouais, affilié, affilié. Et peut-être que là, tu pourras aller voir. Vous voulez pas qu'on change de bâtiment, les gars? Ah. Y'a pas de fou. Non, baisse-toi, il a pris une tête. Dans le bâtiment, derrière. Oh, Vionin a pris. Ouais, il me tire pas dessus, c'est quoi ce bordel? Vassen! Eh les gars, descendez les blessés, hein. Descendez les blessés, ça sert à rien, ils sont en train de niquer nos positions de tir. Babouche, dans le bâtiment derrière moi, je crois qu'il y a un mec. Mais te montre pas, attends, je vais descendre d'abord. Votre cher. En bas là ? Non, 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 derrière, le grand, la grande tour. Médic, rez-de-chaussée ? Ouais, j'arrive. Il a pas de poux ? Enfin, ouais. Je suis encore. Okay. Il a plus de poux ? Médic, ouais, mais patient stable, sans hémorragie, sans pouf. Le John, il a un pouf ? Non, il en a pas, tu peux... Je fais CPR. RCP1. Vas-y, continue. T'as vu ? Ouais. La bouche, reviens en bas. Continue RCP sur l'autre. Sur Vionin. Non, Vionin, c'est bon. Non, Vionin, il est bon. Je suis de retour. Bah, du coup, ouais, Scott, je suis faut RCP John. Ok, ok, passez au 300. Ouais, je. J'ai pas eu le temps de traiter. RCP John. Couche, le mec. Putain de merde, casse les couilles. RCP2. Ouais. RCP3. Ouais, j'arrive. Tu as un pouf, aucun pouf. Ok, RCP1 ouais. Sur Kiriash. Allez, on va partir. C'est un peu la merde. Hein. On s'y attendait de toute façon, on le savait. Vionin, il est à l'étage avec sa MG ou pas? Non, j'arrive. Morphine ou pas? Vous êtes tous sur la 300. Bouge pas, je vais te. Ah, si, on est revenu. Je vais te tuer. Okay. Contact! Ça va carrière. Bah il est vieux comme John Wick quoi. Oh les gros, et il me restait une balle hein, dans le chargeur. Babouche, Jonin, vous allez me nettoyer la maison en surfon là-bas, s'il vous plaît. Attends, je recharge juste. Je lui ai mis une balle, le mec il est tombé, j'ai eu de la chatte. Babouche, attends bien le collègue. Vas-y, t'es bon. T'as tué une avoir fini tout? Non. Ah ok. Attends. Bouge position. Y'a un mec dehors, je crois, non? Tu m'as dit. T'as dit Scott aussi, non? Non, j'ai dit Babouche et. Babouche et bien. Vas-y, t'es bon. Ça, par contre, Scott, regarde ce que tu pourrais faire, toi. Tu vois le bunker qui est en 241 en hauteur là-bas?
Ouais, vu. Ouais, bah tu vas et t'essaies d'avoir des visuels sur le toute la partie sud. Tu viens avec moi, Médic? Ouais. Saloperie. Ça va, niveau médical, toi ou pas? Oh! Ce que t'as pris! Jonathan sont de mon côté, il en a pris une perdue. Oh, t'es bon en fait. Est-ce que t'as du pou? Oh, c'est pas ta pou, mais. Ah! Mais gros! Mais... Tu saignes pas? Et t'as pas de pou. C'est quoi ce bordel? Est-ce que je fais ça encore? Bah ouais. Un pou. Tu veux travailler normalement. Ça va vous? Ça va et toi? Ouais, j'ai John à terre. Il est stable. Mais... Tu peux le transporter ou? Oui, 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 je pense. Mais bon, il y avait un sniper. Ça, il... Oh, il y a Canines en face, mec. Ok, de retour. Mec, c'est quoi cette balle que j'ai pris? En fait, regarde, tu l'as pris de là-bas là. Tu l'as pris, le mec il était là-bas. Mec, sacré pétard. Hein. Ah, la fenêtre de tir qu'il avait le type. Ouais. Ok, on vous recolle. Oh, mais mec. Très énervé en face. Hein. Du très très lourd. Ok messieurs, on va se faire parachuter du médical et des munitions. Oh ouais. Regarde, où est-ce qu'on monte? Par contre, on sait pas s'ils sont pas morts les mecs là sur les postes fixes. On se fait parachuter du médical et des munitions. Partir dessus, hein. Le deuxième. Pardon. Alors, niveau soin, je suis comment? Ouais. Je te laisse faire parce qu'il y a un civil juste à côté, j'ai pas envie de le toucher. J'ai 2 litres, 5 200. Le civil est à 15 km. J'ai peu de sang. Non, il y a un civil juste à côté, à droite. Oui, bah, en bas. Peu de sang, peu de chargeur. Bah, il peut se prendre une balle perdue si je rafale le cadavre. Oh, le parachutage. Bah, merde, parachute. Ça s'ouvre plus les parachutes, là, non? Il est tombé où la caisse? Oh, j'ai vu tomber vite dans mon gros. Bah, merde, normalement ça s'ouvre les parachutes. À partir d'une certaine hauteur, peut-être. Bah, ouais, mais là. Le gros, les poches de sang, mec, c'est une soupe à l'intérieur. Ah ouais, c'est. Bon bah, c'est du parachutage à la mano, hein, du coup. Coucou! Allez, faut aller chercher tout ça, les gars. Paul ouais. Me dit que vas-y, on va chercher ta purée. Vas-y. Je vais chercher mes plombs aussi. Mais pourquoi y'a un civil là? Oui, y'a un civil, il rentre dans sa maison. Putain!
C'est où les bastos sans rap du coup? Ouais. C'est en bas du bâtiment. En plein milieu de la cour. C'est sympa pour moi hein. Y'en a pas? Non. Ah bah non mais oui mais forcément ouais, c'est normal. Bah ouais, tout le monde, t'inquiète. C'était juste sympa. Je te vois venir toi. Comment ça? Et dis-toi qu'en TVT mec en... Mettez pas ça à l'intérieur mais les gars mettez ça à l'extérieur. Tu parles de Mac M50? Je pense, je suis pas sûr. Non, les caisses. Ah. Oh, je devais la mettre là-haut. C'est mon piou-piou. Bon bah vas-y laisse-les là du coup. On les amuse là. On est chez les civils. La ratata. Alors, raté. Les box de 300, c'est pour moi les 100 coups? Oui, c'est. Je sais pas. Oui, c'est possible. Bon, j'en prends une. Bah, prends-en, on prend ce que tu veux. Hein. Yes. Babushka Hagrid. Bah, ça va pas me servir. Au bout de cas grid, faudrait arrêter de bouger s'il te plaît. Oui chef. Hop. Au bout de cas grid, tu es réapprovisionné. Merci. Au bout de cas grid. Trousse sanitaire, c'est pas utilisé? C'est OP. Trousse sanitaire de quoi? La trousse sanitaire elle est utilisée ici non? Elle est utilisée dans les véhicules médicaux ouais. D'accord. Oh, à mon avis le drone il doit plus avoir beaucoup d'essence. Il va se crasher. Ok messieurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez continuer ou arrêter là? Moi bon, je vais pas tarder mais... Ouais je vais pas tarder non plus. C'était marrant. C'était très marrant, c'est trop bien. À refaire. Dommage qu'on ait pas fait péter l'hideout. Non. Non bah non quand même. Si tu veux du matos pour la faire péter, il y a le SPG-9 qui est au-dessus. Hein. Ouais moi j'ai une petite charge de démolition si besoin. Et ce que je vais faire c'est que je vais TP tout le monde à la base. Non, bon tant pis. La pause. La pause. Pas d'explosion ce soir, tant pis. Non quand même on va pas faire péter l'hideout. Hein. Bon de toute façon la map va pas tout changer non. Ce que j'arrivais à faire avec T'as jamais fait ça? L'homme tourelle? Non! Ah! Ça m'aurait fait marrer des SPG-9 un peu. Alors y'en a un qui est carrément en spawn là-haut. Ah ouais! Coucou! Moi où le ciel il est vert, jaune, bizarre. Mais t'as mis tes gammes à fond, connard? Ouais. Ouais, ils sont chelous, toi. Ah, elles sont pas à fond. C'est quoi ce truc qui a les mains? Le mec il a un rose sopalin vide dans les... C'est ce qu'il vole là, tu vois pas l'étoile là? Le soleil? Ouais, c'est le soleil. Non, c'est une flare. C'est le soleil. Et qui fume. J'avoue, attends, mais il fume le soleil et il bouge vite. Il bon, du coup. Rouge. Prochaine fois qu'on fera ça, à mon avis, ce sera sur la map britannique. Et yes. En étant britannique. Let's go! Ah non, en étant français par contre. Oui, allez, à l'autre. Pas allemand? À d'autres. À d'autres. Mais ouais, ça vous a plu de faire ça comme ça? Ouais, c'est kiffant. Une fois de temps en temps, c'est kiffant. Et au niveau de la faisabilité de la mission, enfin, c'est de ce qu'on a fait, etc., ça vous a convenu ou... Parce que moi, je fais jamais bah, de vrai, j'aime pas ça de base. Donc. En vrai, tant qu'on tire pas, la nuit, on est invisible. À partir du moment où on tire, je savais qu'à des moments, quand on était sur le toit avec Scott, et on cherchait les ennemis qui nous rusher quoi, pour savoir où ils étaient, fallait tirer une fois en l'air pour que eux nous voient et nous engagent. Oui. Mais tant que nous on tire pas, ils sont invisibles. À partir du moment où tu tires une cartouche, même si elle est pas même si elle est pas traçante, ils te cherchent et Ok. C'est assez compliqué de tirer avec une lunette de nuit. Bah même de jour, il y a la balistique réaliste. Ouais, mais même non, après tu gères ta balistique, mais non, de... Bah de nuit c'est compliqué, oui, ça ouais, c'est sûr. Tu vois un peu que chi.
C'est marrant. Désolé pour la GVU, je comprends pas. En fait, j'ai vraiment galéré avec le drone, j'arrivais pas à le faire tirer. Mais juste, Bomb the Way, ça fait plaisir à entendre parce que là, c'est tombé au moment où je t'ai demandé si ça allait partir. Ouais. Ça a explosé vraiment en plus. Bon, du coup, forcément, relativement proche de nous, mais ça c'était prévu. Mais je savais pas du tout que ça allait tomber quoi. Tu m'avais dit 30 secondes, il en approche, mais je savais pas du tout. Mais non, c'est marrant. Enfin, ouais, à refaire de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Non, pas tout le temps, ouais. Mais faire un truc, toi, type. Tu peux aller faire un peu de rance, tu peux te faire parachuter, etc. Enfin, toi, c'est. Ouais, mais en fait, le problème, Scott, encore une fois, c'est qu'on a pas assez de monde. Oui, bien sûr. En fait, on peut. Ça, tout ça, on pourrait le faire, mais on a pas assez de monde, quoi. Mmh. Manque de monde. Si on avait vraiment. Si on avait 3 personnes de plus, on aurait pu avoir. Un pilote déjà, ou même 2 pilotes avec un hélico par exemple. Ils auraient pu avoir plus de choses, ils auraient fait du ravitaillement, ils auraient fait de l'appui, etc. Ça aurait été vraiment cool, mais là le truc c'est que tu peux pas quoi. Non, c'est clair. C'était marrant. C'était cool, ouais. Clairement.